date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens aériennisés, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis. D'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'allait pas être question de dire que nous réautorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021.